Je suis venu un peu à l'avance, genre 30 minutes. Quelques danseurs étaient déjà là et j'ai testé des trucs avec eux. Voilà. J'ai donc à l'avance et sur place, il y a des danseurs qui sont arrivés un peu avant. Donc j'ai essayé de tester ce que j'avais en tête, ce que j'avais à l'idée. Et au fur et à mesure, ça se créait, quoi. Voilà. Parce que j'avais le concept en tête. Et du concept, j'essaie de dessiner ce qui se trame sur le moment. Alors en fait, du coup, vu le timing qu'on a par rapport à la proposition qu'on devait faire dans une semaine, il fallait que moi j'arrive déjà avec une idée précise, le nombre de parties qu'il faut, chaque partie, qu'est-ce que je veux, comment je le visualise, qui peut faire quoi, qui fait quoi, quel concept j'imagine. Une fois que j'ai tout ça en tête, après, il y a des mouvements qui peuvent venir sur le moment que je prépare en avant. Et il y a des mouvements aussi que je fais sur le moment, quoi. En fait, en fonction du planning qu'on a. Et là, le planning est serré, donc il faut que je sois un peu plus préparé que d'habitude. D'accord, contrasté. D'accord. Et toute cette partie-là, c'est que de la schizophrénie ou de la bipolarité. Entre changement d'énergie neutre et très engagé, mais avec un état de corps différent. Soit relâché, un peu comme un fouet, soit un peu comme une chaise, soit voilà, d'accord, soit plus dans le sol, effet visuel de rebond, ah, ok, ça va, et ça finit sur ça. Bonjour à tous, ici Gaio de la compagnie Flies, venez me retrouver au BTM Experience en tant que chorégraphe, venez découvrir mon univers, alors soyez au rendez-vous.